Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nouveau vlog. Alors aujourd'hui, donc nous sommes le samedi 18 février, j'ai 18% de batterie sur mon Mac. Je chiale. Il est 10h05, je me suis réveillée vers 9h je crois. Donc j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai fait mon petit café. Alors le café est meilleur que ce qu'il y a comme capsule, etc. Mais il faut que j'ajuste un petit peu plus, que je mette un peu moins d'eau, un peu plus de poudre, parce que là, ça sentait un petit peu plus l'eau. J'ai pris mon croissant Nutella, la base. Et du coup, je regardais des vidéos YouTube sur mon iPad. Donc là, ça me fait un petit peu me sentir mieux d'avoir mes petites habitudes, genre mon verre avec une paille, enfin ouais, des trucs à la con comme ça, ça me fait sentir mieux. Hier j'ai rangé un petit peu l'appartement du coup et j'ai passé un petit peu de Swiffer et je suis tombée sur ça, de poussière en dessous du lit, derrière les meubles, etc. Du coup je trouve ça inadmissible. J'ai envoyé un message alors à mon hôte en lui disant voilà ce que j'ai trouvé, enfin est-ce que je pourrais avoir un aspirateur, enfin je peux pas faire ça au Swiffer, enfin il me faut un aspirateur pour cette période là. Et je lui ai demandé aussi par la même occasion un micro-ondes. J'ai glissé ça comme ça. Et il m'a dit qu'il était étonné parce que bah, pour les anciens locataires, les anciens guests, eh bien personne ne lui a parlé du ménage. Alors je sais pas si les anciens guests étaient extrêmement crado, mais je suis désolée, ce que j'ai trouvé c'était uniquement dans la chambre. Ensuite j'ai passé une petite lavette à la main, genre j'ai frotté le sol à la main. C'était noir de chez noir, il y avait des taches incrustées toutes collantes. La cuisine, genre les portes étaient dégueulasses. Enfin, le tiroir, il y avait encore des chouchous de cheveux à l'intérieur. Enfin, je veux bien, t'as vu qu'on ait une propreté, voilà, un minimum quoi. Donc je lui ai demandé si je pouvais avoir une pelle, un balai. Il m'a dit il y a un balai sur le palier commun et il y a une armoire avec des produits d'entretien. Après il y a d'autres produits, il y a du PQ et tout, donc ça je vais l'utiliser je pense. Mais voilà, donc je lui ai demandé pour un aspirateur. Il m'a dit c'est compliqué de fournir un aspirateur pour chaque personne. Je comprends parfaitement. Enfin ouais, quand même. Enfin, moi je peux pas tout le temps avoir ce genre de choses, enfin, c'est pas possible. Du coup je redemandais pour me prêter un micro-ondes, il m'a dit que c'est pas fourni dans mon service. Je dis oui je sais, merci, je t'ai vu. Et il m'a dit qu'aucun autre membre ne s'est plaint du four et que c'était assez convenable pour les personnes. Alors je comprends parfaitement hein, s'il se base sur les avis des gens, mais de ce que j'ai vu dans les avis, les gens sont restés à peine 3 semaines, moi je reste 5 mois. C'est totalement différent. J'ai regardé sur le marketplace de Facebook un micro-ondes propre, quasi neuf, 20 euros. Tu vois, limite je vais l'acheter, tu vois. Enfin, il m'a dit, il n'y a pas la place dans la cuisine. Frérot, il y a la place. Je te jure, il y a vraiment la place. Hein. Parce qu'un micro-ondes, c'est vraiment béaba pour moi, un micro-ondes. Après, ici, peut-être pas. Hein. Peut-être qu'ici, ils n'ont pas de micro-ondes, ils ont des fours. Mais je trouve que ça consomme pour rien. Ce que j'ai remarqué à Athènes, c'est qu'ils consomment énormément pour rien. Il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de pollution, il n'y a aucun vélo. Il faudrait que Hidalgo, elle vienne ici, je pense. Pour essayer d'instaurer les vélos, les vélib, mais ça ferait des économies à tout le monde, ça ferait une économie de bruit aussi. Un beau potentiel à Athènes pour faire les choses bien. J'ai regardé pour les poubelles et j'ai pas trouvé. J'ai vu qu'ils faisaient le tri. Ouais, je sais pas, j'ai pas trouvé. Faut que je vois à l'extérieur les poubelles parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'était à l'extérieur qu'il fallait mettre les poubelles. Du coup, j'ai bien dormi, je me suis endormie vers minuit et demi, je crois, et puis je me suis réveillée tranquillement ce matin. J'ai regardé pour aller à Ikea. J'ai vu que c'était vraiment un petit peu galère à pied, c'était 2 heures à 2 marches, donc je me suis dit bon voilà. Et sinon le bus c'était 1 heure, j'ai regardé en voiture ce que ça donne, c'est 14 minutes. J'ai vu qu'il y a l'application Uber pour le taxi et j'ai vu que c'était entre 6 et 9 euros. Mais en tout cas je vais aller à Ikea aujourd'hui un samedi, catastrophe. Je suis prête, j'ai mis un petit pull avec un pantalon de chez Bershka, tout est Bershka je crois. J'adore ces petits pantalons, ils sont trop bien. Donc je vais commander un Uber, j'ai une tête éclatée, franchement mes cheveux c'est une catastrophe. J'essaie de faire un petit make-up pour essayer d'avoir confiance en moi, mais là c'est une catastrophe, là je j'en peux plus. Oh, ça va mon cœur? Je pars 2 petites heures je pense. Comme ça je t'achète un ciseau pour enlever tes nœuds, j'achète tes bougies aussi. Oui. Je sais pas, on va voir ce que je peux prendre. Donc écoutez, let's go, c'est parti, on va à Ikea. Les gars, j'ai trouvé pour les poubelles, c'est juste en face en fait. Il y a la poubelle verte là-bas et il y a la poubelle bleue. Au moins, ça c'est cool. Donc là, je suis arrivée à Ikea. C'est exactement la même chose qu'en France. Donc ça, c'est vraiment cool. Celui-là, ce meuble, il est trop mince. On l'a pas celui-là en France. Ça me dit rien du tout. Il est trop beau. Ok,
donc là j'ai ma réponse. Le canapé juste deux places grande lead, il a 1 050 €. Je ne l'ai pas du tout payé ce prix là. J'ai payé je crois 600 € pour 3 places. Et j'avais rajouté un coffre qui m'a coûté genre 100 €. Donc c'est beaucoup plus cher. Parce que j'ai payé 10 € le taxi quand même. Après j'ai vu qu'il y avait un supermarché à côté, donc au moins je pourrais faire d'autres courses si besoin. Mais ouais, c'est un peu cher quand même. Mais je trouve qu'il y a des produits beaucoup plus nouveaux dans leur Ikea. En tout cas, il est beaucoup plus joli que le nôtre. Et cette lampe, elle est trop mimes. 4,99 €. Elle est trop mimes. J'aime trop. On dirait un balai à chiottes comme ça. En fait, non, c'est une lampe. Mais ouais, alors Ikea, il est vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Ça n'a rien à voir qu'en France. Genre juste, voilà, l'entrée pour les enfants, il y a des trucs artificiels. Genre, c'est bien fait. Vous avez les petits trucs en bois et tout. Franchement, c'est super mignon. Des petits Lego, enfin c'est super bien présenté je trouve. Un large choix quand même de produits qu'on n'a pas en France nous. C'est trop mimes. Là on arrive dans le vif du sujet, les plantes, les bougies, le bordel. Oh my god. Par exemple ces bols là ils sont à 79 centimes. Donc je vais prendre genre je pense deux bols. Comme ça j'en aurai... Ah non je vais prendre plus pour un pour Prince, enfin deux pour Prince. Et pour moi. Une tête genre 4, ils sont bien en plus, ils sont jolis et comme ça bah, le proprio il aura 4 bols. Ils sont vraiment trop trop beaux ces verres. Mais je sais pas comment ça coûte, je crois 3 € le verre. Il est archi beau mais il est super lourd, je pourrais pas le ramener celui-là. J'aimerais bien acheter des choses que je pourrais ramener, mais ils sont méga lourds. Hein. Celui-là de plateau il est vraiment joli aussi. Par contre j'ai pas trouvé de tasse qui pourrait faire office de grande tasse. Il y a que des trucs comme ça en fait, c'est tout petit et moi je voulais des grands. Et en fait, il n'y en a pas du tout. Par contre, c'est extrêmement mignon, ça. C'est trop chou. En fait, j'ai que des trucs comme ça en fait, à la maison. Donc bon, bah j'utiliserai ça. Au pire, dans le rayon des vases, il y a des vases que j'utilise, des mini-vases, pour faire mon cappuccino. Donc au pire, je prendrai ça. Je voulais voir aussi pour un petit plateau. Mais là, ils sont un petit peu chers, sauf celui-là. Il est à 3,99 €. Et ce serait voilà pour manger, pour prendre dans la chambre et tout. Et ouais, 3,99 €, je sais pas. J'aime bien celui-là, mais il a 8,49 €. Ça, après, il est un peu petit, je trouve. Je viens de voir qu'il y a des coussins avec des écritures dessus. On n'a pas ça, nous. Je sais pas du tout ce que ça signifie, mais c'est extrêmement mignon. Comment on peut en avoir un? Oh, j'aime trop. Mais comment on fait? Ah, je vois 3 €, 6 €, 9 €. Mais je trouve ça trop, trop drôle. On n'a pas ça, nous, en France. Pourquoi on n'a pas ça? Et tu peux même acheter du tissu, ou alors c'est le tissu pour les coussins. Mais ils sont vraiment trop beaux les tissus. Ça j'aime trop cette couleur là. En fait c'est ici, ils font l'atelier ici. Mais y a personne. Donc là je cherche des housses de coussins pas trop chères. Parce que généralement là c'est autour de 10 €. Mais là ça va, c'est pas si cher ça. Après c'est pas de la bonne qualité de ouf. Donc là je suis au niveau de la salle de bain. Et j'hésitais à prendre un truc comme ça. Pour le mettre dans la douche. Genre un peu comme ce que j'ai à la maison. Après, il y a des miroirs aussi, 6 €. Mais je pense que je vais galérer un petit peu avec mon petit miroir, mais c'est pas grave. Et j'ai pris des petits tapis. Donc, il y en aura un pour mettre au niveau de la litière et un au niveau de la cuisine. Comme ça, ça va pas en foutre partout. Mais j'hésite à en prendre d'autres parce que c'est 2 €. Et bien, il y a une pelle. Ça, c'est pas mal. 2,50 € par contre. Là, il y a tout. Mais je pense pas que j'ai besoin de tout ça. Non, juste la pelle, c'est parfait là déjà. Après un seau, bah non, je peux pas. Ah putain, c'est bien ça. Ouais, c'est que pour certains balais en fait. Je peux pas utiliser sur le super ça. Ça aurait été vraiment pratique ça, putain. Ah ok, je vois. Putain, c'est pratique ça. On n'a pas ça en France. Du coup, je vais prendre des microfibres. J'en ai déjà, mais celles-ci, elles sont un peu plus. Bah mieux, je trouve. Et je pourrais la mettre sur le super. Comme ça, ça rentrera. Mais c'est vachement bien parce qu'ils ont fait vraiment une collection. Vraiment adapté et amovible. Genre tu prends le kit là et tu rachètes ce que tu as besoin au fur et à mesure. Franchement il est vachement bien. Je sais pas si on l'a en France mais il est très très bien ce kit là. Ah du coup il y a les boîtes. Bah voilà 2 €, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il me faut. Bah il y a moins cher, il y a celles-là. Ils sont vachement mieux je trouve. Et il y a celles-là à 1 €. Ah oui c'est beaucoup mieux ça. On va prendre des boîtes comme ça. Du coup, il y a ceux-là aussi qui sont trop mimes, 79 centimes et tout. C'est plutôt pas mal ça. Pour, je sais pas, mais pour faire quelque chose. Peut-être mettre mon make-up. Là, 1,39 €, ça c'est 79 centimes et ça 49 centimes. Vraiment, il y a des trucs what the fuck, je sais pas du tout ce que c'est. Ce qu'ils mettent une plante dessus, je sais pas.
Après, il y a des rouleaux aussi, il faudrait peut-être que j'en achète un. On arrive dans le rayon bougies. Elles sont à 3,50€. Je suis au niveau des plantes, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Mais il y a beaucoup d'accessoires que je ne connais pas. Genre des trucs comme ça, là. J'aime beaucoup ça aussi, le violet, là, le violet rose, il est magnifique. Et ça, moi, je l'ai en blanc, mais il existe aussi en bleu. Je savais pas du tout. En tout cas, je vais pas prendre de grandes plantes. Là, c'est à 2€. Mais je trouve pas ça incroyable. Après, voilà. Je sais pas combien ils sont. Ah oui, 13. Non. 13€ nous, ça. Ouais, c'est un peu cher quand même. Après, il y a du lierre, mais le lierre, il est pas. Ouais, putain, 8€, c'est énorme. Hein. C'est très, 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 très cher. Je pensais pas que ce serait aussi cher au niveau des plantes. Après, il y a des petits cactus. Bon, du coup, je viens d'acheter mes produits à Ikea. J'ai pris un menu. C'est 3€ pour les frites. L'hamburger et je sais pas quoi, et là il y a du coca, enfin du Pepsi. Ça a le même goût que dans les restaurants volontaires en Espagne, c'est dégueulasse. Je sais pas si on va bien m'entendre, mais en gros à côté il y a un énorme supermarché et là il y a plein de taxis. Donc je me dis, je vais peut-être aller faire un tour en supermarché, genre acheter de l'eau, des trucs comme ça que je peux pas vraiment porter avec mes petits bras. Par contre, le sac là que j'ai est méga lourd. Ouais, c'est un énorme supermarché. Il est super beau. Il est trop trop beau. Il est grand en plus. Il y a des petites plantes ici. C'est trop mims. Il y a des petites phytonias. Mais après, ça tient pas très bien ça. Mais, ah, mais voilà. Parfait. 5,50€, c'est beaucoup plus abordable qu'à Ikea quoi. Donc là, je suis au deuxième étage. En fait, c'est super grand. Enfin, au premier étage, pardon. Et c'est super grand. Oh, il y a des bougies. Je vais aller regarder là ce qu'il y a de beau. C'est vrai que les bougies Ikea étaient un peu chères. Oh ben là, c'est à peu près la même chose. Là, la litière, elle est à 4,75€ pour 10 kilos. C'est vraiment pas cher par rapport à ce que j'ai payé. J'ai payé 8,50€ pour 8 kilos, je crois. Putain, j'aimerais bien le prendre, ça, par contre. Ce serait vraiment super, quoi. Je vais en prendre un, même si je vais me niquer le dos. C'est pas grave. Je viens de rentrer, le taxi, il parlait super bien anglais. Donc, c'était trop cool, on a pu discuter et tout. Il m'a parlé de la Crète. Il m'a dit, franchement, la Crète, c'est la meilleure île au monde et tout. Tout est bien là-bas, c'est pas cher, etc. Donc, je vais vous montrer les achats que j'ai fait en course et à Ikea. Donc, on va commencer par Ikea. J'ai acheté pas mal de petites choses, j'en ai pour 50€. J'ai donc acheté une pelle. Parce que voilà, les pelles qu'il y a sur le palier, je suis désolée, mais ça me dégoûte. J'ai acheté un économe parce qu'ici il n'y en a pas. Donc c'est toujours pratique un économe. J'ai donc acheté une calanchoée. Donc ces fleurs-là, j'aime bien parce que ça fleurit très longtemps. Et j'ai pris un petit cache-pot, trop mignon. J'ai pris aussi une plante à 2€. Ça donnera Senna, je crois. Et j'ai pris un petit cache-pot à 59 centimes. Ensuite, j'ai pris des ciseaux. Du coup, c'était 3,50€ les 3. Donc il y a des petits, etc. Donc ça, je vais le laisser ici hein, quand je partirai. J'ai pris une grande bougie. Bon, c'était en promotion, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc une grande bougie, 1€. Et quelques. J'ai pris aussi ça, le de 5€, c'était 1,40€. Donc les deux, je sais pourquoi pas. J'ai pris donc un truc pour les poils. Des bougies, 3,49€ les bougies. Je les trouve quand même assez cher. Enfin, je sais pas si en France c'est pareil. J'ai pris ça, du coup, et j'en ai pris une autre. J'ai repris donc des petits microfibres. Donc ils sont vachement bien, je trouve. On va pouvoir faire un petit peu plus le ménage. On va passer un petit coup de lavette au moins. J'ai pris donc des petits anneaux. Voilà, c'était 1€ et je sais qu'il y en a dans la salle de bain, mais je préfère tout changer parce que ça me dégoûte. Donc j'ai pris donc le truc de douche. J'espère que ça va aller, mais normalement c'est le même, donc je vais pouvoir le changer. Et je comprends vraiment pas, genre je paye quand même hyper cher hein, pour le secteur, et c'est aussi cher que mon loyer à là où je suis à Paris. Donc c'est vraiment assez cher et je comprends pas qu'on ait rien pour nettoyer. Et que ce soit crade, je comprends, enfin je trouve ça inadmissible. Donc je sais pas si c'est la culture d'Athènes ou autre, mais en tout cas, enfin, avoir un appartement dégueulasse, un rideau de douche jaune fluo parce qu'il a complètement moisi, enfin, un rideau de douche ça coûte 2€, au bout d'un moment t'es en Airbnb, tu payes un prix extrêmement fort, un minimum ce genre de choses, enfin fourni, une pelle, voilà, enfin je sais pas, moi si je faisais Airbnb je ferais ça, enfin je mettrais à disposition des Swiffer, des trucs comme ça, enfin après je sais pas, je comprends pas trop, mais bon c'est pas grave hein. On va dire que le confort des uns n'est pas le même confort des autres. J'ai pris donc une petite boîte pour ranger mes petites affaires, là aussi trois boîtes noires du coup.
c'était 1€ à chaque fois. J'ai pris des bols parce qu'il n'y a pas de bol ici, donc j'ai pris 4 bols, 79 centimes, vous voyez, encore une fois, enfin, pour moi c'est un basique d'avoir des bols, genre bols, tasses, verres, assiettes, enfin pour moi c'est quelque chose de normal, après peut-être ici non, donc du coup j'en ai acheté et je lui laisserai, comme ça les prochains auront des bols, mais voilà, donc après j'ai pris un énorme saladier comme ça, donc c'était 1,50€ je crois, donc au moins j'aurai ça pour moi. J'ai pris un énorme plateau, je lui laisserai aussi, hein. Un énorme plateau vraiment basique, parce que moi j'aime bien manger sur des plateaux, sur le canapé, etc. ou même dans mon lit, donc au moins voilà, même travailler ou autre, j'aurai un petit plateau avec moi. Et j'ai pris aussi des tapis comme ceci, comme je vous avais montré là, pour la salle de bain et la cuisine. Les tapis n'étaient pas très chers, à 2€. Donc peut-être que j'en prendrai un s'ils sont encore en bon état. Mais voilà déjà pour Ikea. J'en ai quand même pour pas mal cher, hein. Donc ouais, le plus cher c'était les plantes en fait. Et les bougies. Après le reste franchement ça allait. C'est une journée un peu chère là aujourd'hui. Il faudra se calmer les prochains jours parce que là c'est plus possible. Au moins je me sens un petit peu mieux. J'ai des petits trucs que je connais. Ensuite j'ai pris des cotons parce que je n'en avais plus. Donc ça c'est dans le supermarché. J'ai pris de l'adoucissant Lénore parce que j'ai envie de laver les plaids parce qu'ils puent la mort. Ils sont tout poussiéreux. Donc je sais pas si avec la lessive que j'ai ça va faire quelque chose. Donc j'ai pris de l'adoucissant pour voilà. J'ai pris aussi du canard WC. J'ai acheté cette petite plante trop mignonne. Donc c'est une plante que j'aime trop. Enfin j'ai ça à la maison, j'adore. Si je peux la ramener, j'essaierai de la ramener. 5,50€, j'aime trop ce genre de plante. J'ai pris des cordons bleus. Alors des cordons bleus c'est très rare d'en trouver. Donc bah écoutez, j'en ai trouvé, j'étais contente. J'ai pas trouvé de tzatziki, j'en cherchais mais j'avais pas trouvé. J'ai pris des allumettes, parce que c'est bien beau d'avoir des bougies mais si t'as pas d'allumettes c'est un peu chiant. J'ai pris des petits pois carottes Bon Duel. Alors ça je vais le savourer parce que c'était 3€ le petite conserve. C'était très très cher. Donc il n'y avait pas d'autres marques de petits pois carottes. Donc j'ai pris ça parce qu'au moins je connais. Et j'ai pris des carottes. C'était 76 centimes. Ensuite j'ai pris de la litière qui est juste là. Donc 4,50€ les 10 kilos. Franchement je suis trop contente parce que celle que j'avais pris à Prince c'était 8,50€ les 8 kilos. Là, quand j'ai vu ça j'étais hyper contente. J'ai pris donc de l'eau, des bouteilles d'eau. Et j'ai pris du Fanta et du Coca. Donc voilà pour mes petites courses. J'en ai eu pour 30€ je crois. Dans mes courses. Donc là on va se calmer au niveau des dépenses parce que là ça fait 2-3 jours que je fais que dépenser, dépenser, dépenser. Donc on va essayer de se calmer et aujourd'hui j'ai envie de rester un petit peu à la maison tranquille, nettoyer et continuer de ranger. Donc là ce que je vais faire, je vais nettoyer mes bacs avec des lingettes désinfectantes et je vais essayer de tout ranger au niveau des cosmétiques et aussi au niveau des fournitures. J'avais ramené ça de France, c'est des petites cagettes qu'on peut plier facilement, donc je les avais pris avec moi au cas où. Au final j'ai mis mon make-up dedans, ensuite là c'est mes produits soins de tous les jours, donc moi j'ai mis ça là, mes pinceaux, ma brosse. Maintenant je vais m'occuper peut-être des fournitures, je vais peut-être mettre mes stylos dans le verre. Et je viens de voir que j'avais une paire de ciseaux, mais j'aurais dû regarder ma trousse avant. Bon tant pis, c'est pas grave. Hein. Donc je vais peut-être mettre à l'intérieur si ça passe. Donc là j'ai mis ça dans un verre, au moins je vois tout ce que j'ai, ça je sais pas ce que c'est, c'est autre proprio, là ensuite donc il y a les ciseaux, les fameux, ça je vais les mettre peut-être dans la cuisine, là c'est mes papiers etc. Donc voilà déjà pour le bureau, je vais vous montrer ce que ça donne dans la salle de bain, déjà il faut que je change le rideau de douche mais j'ai mis ça là du coup. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Là, au moins, j'aurai mes petits produits juste là. Là, j'ai mes shampoings juste là. Faut que j'installe le petit tapis, mais je vais d'abord nettoyer la litière. Donc là, c'est le lait nettoyant, mes petits sprays, mon petit savon pour les mains, dentifrice, mon chachao. Et je viens de voir qu'il y avait ça. Du coup, je vais mettre une serviette. Il faut que je range, du coup, les produits ménagers là-dedans. Pour pouvoir mettre les trucs de Swiffer, etc., tout dedans. Donc, let's go. J'ai rangé tout ce qu'il fallait, les microfibres, les trucs pour le Swiffer, etc. Donc comme ça, je vais pouvoir tout jeter. Ça, du coup, je vais le garder sous plastique au cas où. Il fait grave flipper. En fait, il est au-dessus du chauffage.
Donc il est content là, il y a le soleil et le chauffage. Ça va mon cœur? Ah, il est bien là. Bon, je viens de changer le rideau de douche qui était jaune fluo. Il était beaucoup trop court en plus. Et celui que j'ai acheté là à Ikea, franchement, 2 euros. Écoutez, il va jusqu'en bas, alors que l'autre, il n'arrivait pas jusqu'en bas. Et il fait tout le long, alors que l'autre ne faisait pas aussi tout le long. C'est une catastrophe. Donc au moins, ça c'est vraiment cool. Hop. Non, franchement, très très bien. Si vous cherchez un rideau de douche provisoire, voilà, pour des Airbnb... Franchement, pour 3 euros, vous avez un bon petit truc. Donc là, j'ai rangé donc mes brosses, etc. juste là. J'ai mis mes cotons et mon petit bandana ici. Mais sinon, on aura quasiment fini. Hein. J'ai mis mon petit thé aussi là-dedans, dans un petit truc tupperware. Ça, il faut que je jette du coup. Et il faut que je change aussi les gamelles de Principe. Parce que bon, c'est pas terrible. Hein. Je viens de passer le Swiffer, ça fait du bien, ça sent bon, c'est propre. Le truc là, il est vraiment dégueulasse. Là, c'est la deuxième fois que je l'ai passé du coup, et après en dessous, c'est aussi dégueulasse. Donc au moins c'est fait, j'ai nettoyé le sol, donc voilà. Les petits tapis, moi la salle de bain elle est propre. Ça fait beaucoup de bien, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai pas le cadre installé, je sais pas si j'installe le blanc. Le blanc pour la cuisine, je trouve ça mieux. Ça, j'aurai un petit tapis pour les pieds parce que c'est un peu froid le carrelage. Hein. Soit ici, au niveau des toilettes, pas trop avoir froid non plus. Je trouve ça beaucoup mieux. Et après, quand le prince y en mettra un peu partout, j'aurai la balayette. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc ça, c'est fait. J'ai nettoyé. Je vais nettoyer aussi la partie de prince avec toutes ces petites croquettes là qui traînent. Et j'ai donc installé les bols là. Donc c'est beaucoup, beaucoup mieux. Plus, prince, il adore le tapis. Il fait ses griffes dessus. Moi, du moment qu'il fait ses griffes là-dessus et pas sur le canapé ni sur le lit, moi, ça me va. Hein. Du coup, j'ai complètement oublié d'acheter à Ikea un truc, un égouttoir. Parce qu'il n'y en a pas. Donc, ça encore, je comprends pas. T'as pas de lave-vaisselle, mais nous, un égouttoir. Enfin, sinon, tu abîmes ton meuble, tu vois. Enfin, en plus, c'est de la peinture. Enfin, ça fait des traces, enfin, je sais pas. Je pensais peut-être qu'on a des habitudes vraiment bizarres, hein, je sais pas. Donc j'ai mis un torchon en attendant pour que ça sèche. Ça y est, je viens de tout ranger, tout laver. Je suis trop contente. Quand je rentre dans l'appartement, ça sent bon. J'ai mis les poubelles aussi, donc au moins tout est bon, tout est propre, tout est rangé. Trop contente. Ça fait vraiment du bien d'être dans un endroit sain, enfin beaucoup plus sain qu'avant. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ah ouais, clairement ça n'a rien à voir. Même un rideau de douche change tout. Du coup je vais aller me laver là parce que je suis dégueulasse, je me sens pas du tout propre. Et puis après je vais me mettre en pyjama, là il doit être 16h30, quelque chose comme ça. J'ai aussi beaucoup de montage à faire donc faut que je fasse ça aujourd'hui. Et puis écoutez, je vais vous laisser là. Donc demain je vous fais l'appartement tour, premier juré. Donc je vais vous montrer un petit peu l'appartement, comment je l'ai aménagé, etc. Puis voilà, avec les petites plantes, ça change tout des plantes, vraiment c'est ouf. Il manque plus qu'une petite guirlande lumineuse et hop. Mais vraiment mes plantes ça change de ouf. Ça habille en intérieur, c'est vraiment incroyable. Donc trop contente de ça déjà, je retrouve un petit peu le sourire. Et puis demain je vous filme l'appartement tour et après je prendrai une petite journée de chill. Mais écoutez, voilà déjà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaDRTOff. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlog. Bye bye.